De Roy, chapitre 1 Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akasia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit Allez, consultez Baal Zébub, dieu d'écrone, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie Le tishbite, lève-toi. Monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal Dieu d'écrone C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Acasia, et il leur dit Pourquoi revenez-vous Ils lui répondirent un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit. Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites lui. Ainsi parle l'Éternel. Est ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écrone C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Acasia leur dit. Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent. C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit. C'est Élie, le Tishbite. » Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit. Homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de cinquante. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Acasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie. Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Acazia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Balzébub, dieu d'écrone comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Acasia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Acasia, et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Deux rois, chapitre deux. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée, et lui dirent. Sais tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au dessus de ta tête? Et il répondit. Je le sais aussi taisez vous. Élie lui dit. Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête Et il répondit Je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, -vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit Qu'il y ait sur moi, je te prie. Une double portion de ton esprit. Élie dit Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait Mon père Mon père « Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent. L'Esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Et lui dirent. Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux tu qu'ils aillent chercher ton Maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. Il répondit, Ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, Envoyez-les. Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, Ne vous avais-je pas dit, N'allez pas Les gens de la ville dirent à Élisée, Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. Il dit. Apportez moi un plat neuf, et mettez y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient Monte, chauve, monte, chauve Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ses enfants. De là il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Deux rois, chapitre 3 Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, Roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab Josaphat répondit J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit Par quel chemin monterons-nous Joram dit Par le chemin du désert d'Édom. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit Hélas L'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit. La parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'israël qu'y a-t-il entre moi et toi va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère et le roi d'israël lui dit non car l'éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de moab élisée dit l'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant si je n'avais égard à josaphat roi de juda je ne ferais aucune attention à toi et je ne te regarderais pas Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit. Ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel il livrera moab entre vos mains vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite vous abattrez tous les bons arbres vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs or le matin au moment de la présentation de l'offrande voici l'eau arriva du chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau cependant tous les moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent C'est du sang Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva, et frappa Moab qui prit la fuite devant eux ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab ils renversèrent les villes ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir arezet dont on ne laissa que les pierres le roi de Moab voyant qu'il avait le dessous dans le combat Prit avec lui sept cents hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Deux rois, chapitre 4 Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison Elle répondit Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils. Présente moi encore un vase. Mais il lui répondit. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit Va vendre l'huile, et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, Appelle cette sunamite. Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée Elle répondit J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit Que faire pour elle Géasi répondit Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit Appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit à cette même époque l'année prochaine tu embrasseras un fils et elle dit non mon seigneur homme de dieu ne trompe pas ta servante cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante comme élisée lui avait dit l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs il dit à son père ma tête ma tête le père dit à son serviteur. Porte le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui, et sortit. Elle appela son mari, et dit. Envoie moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'anesse, et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, Voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui Te portes-tu bien Ton mari et ton enfant se portent-ils bien Elle répondit Bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit Ai-je demandé un fils à mon Seigneur N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi Saint Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle à cette sunamite Géasie l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit « Prends ton fils !» Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils, et sortit. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Mets le grand pot !» Et fait cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquintes de sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent La mort est dans le pot, homme de Dieu Et ils ne purent manger. Élisée dit Prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit Sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal shalisha Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit Donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit Comment pourrais-je en donner à cent personnes? Mais Élisée dit. Donne à ces gens, et qu'ils mangent car ainsi parle l'Éternel on mangera, et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Deux rois chapitre V. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit. Va, rends toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycle d'or, et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit. Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit Suis-je un Dieu, pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant: Voici, je me disais il sortira vers moi il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'éternel son dieu il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux les fleuves de damas l'abana et le parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'israël ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur et il s'en retournait et partait avec fureur mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent mon père, si le prophète tu demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de deux mulets car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon Maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit Va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit Tout va-t-il bien Il répondit Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Naaman dit Consent à prendre deux talents. Il le pressa, et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit D'où viens-tu, Géasi Il répondit ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit Mon esprit n'était pas absent, lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Deux rois, chapitre 6 Les fils des prophètes dirent à Élisée, Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, Allez. Et l'un d'eux dit, Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit. J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria. Ah. Mon Seigneur. Il était emprunté. L'homme de Dieu dit. Où est il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et fit surnager le fer. Puis il dit Enlève-le Et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et, dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens, pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit. Ne voulez vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit. Personne. Ô roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit. Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire. Voici, il est à Dotan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous Il répondit Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel daigne frapper d'aveuglement cette nation et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée Frapperai-je, frapperai-je, mon père Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben hadad roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'Âne valait quatre vingts cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiantes de pigeons cinq cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur il répondit. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit. Qu'as tu? Elle répondit. Cette femme là m'a dit. Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé, et le jour suivant je lui ai dit. Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens: Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait: Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? De Roi, chapitre 7. Élisée dit. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait elle. Et Élisée dit. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre Quoi? Resterons nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs. Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit. Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit. Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. On prit deux chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant. Allez, et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi. On aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain, à sept heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait elle? Et Élisée avait dit. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. Roi, chapitre 8 Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour sept années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils, Vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit Ô oh roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit, en disant L'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Azaël Prends avec toi un présent, et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel, en disant Guérirai-je de cette maladie Azaël alla au-devant d'Élysée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de quarante chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire guérirai-je de cette maladie Élisée lui répondit Va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Azaël dit Pourquoi mon seigneur pleure-t-il Et Élisée répondit parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Azaël dit, Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Azael quitta Élisée, et revint auprès de son maître, qui lui dit Que t'a dit Élisée Et il répondit Il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture, qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut, et Azaël régna à sa place. La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, Régna. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Judas à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Judas et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Judas a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Joram se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Acasia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Acasia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Acasia avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Attali, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Azaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Gisréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Acasia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Gisréel, parce qu'il était malade. Deux rois, chapitre 9 Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit saint terrain. Prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit Chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit Auquel de nous tous Il répondit À toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam fils de Nebat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, Tout va « Tout va-t-il bien Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit, « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent, mensonge réponds-nous donc et il dit il m'a parlé de telle et telle manière disant ainsi parle l'éternel je toins roi d'israël aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous jéhu au haut des degrés ils sonnèrent de la trompette et dirent jéhu est roi ainsi jéhu fils de josaphat fils de nimshi forma une conspiration contre joram Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Azaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Gisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Azaël, roi de Syrie. Jéhu dit Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Gisraël. Et Jéhu monta sur son char et partit pour gizréel car Joram y était alité. Et Acasia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Gisréel vit venir la troupe de Jéhu et dit Je vois une troupe. Joram dit Prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit Ainsi parle le roi. Est-ce la paix Et Jéhu répondit Que t'importe la paix Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit Ainsi parle le roi. Est-ce la paix Et Jéhu répondit Que t'importe la paix Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, attelle, et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Achazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Gisréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix, Jéhu? Jéhu répondit, quoi, la paix, tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Acasia, trahison, Acasia. Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar. Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Gisréel. Car souviens t lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. roi de Juda, » ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit, et dit. Lui aussi, frappez le sur le char. Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo, et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères, dans la ville de David. Acasia était devenu roi de Juda la onzième année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Gisréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau d'Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi Qui ?» Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit Jetez-la en bas. Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit Allez voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Gisréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Gisréel, de sorte qu'on ne pourra dire C'est Jézabel. De rois, chapitre 10 Il y avait dans Samarie soixante-dix fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Gisréel. Aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab, il y était dit. Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux, mettez le sur le trône de son père, et combattez pour la maison de votre maître. Ils eurent une très grande peur, et ils dirent. Voici, deux rois n'ont pu lui résister, comment résisterions nous? Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens, et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu. Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, fais ce qui te semble bon. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit. Si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, Prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain, à cette heure, à Gisréel. Or, les soixante-dix fils du roi étaient chez les grands de la ville, qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi, et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles, et les envoyèrent à Jéhu, à Gisréel. Le messager vint l'en informer, en disant, ils ont apporté les têtes des fils du roi. Et il dit Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. Le matin, il sortit. Et se présentant à tout le peuple, il dit Vous êtes juste. Voici, moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Gisréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers, sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Acasia, roi de Juda, et il dit « Qui êtes-vous » Ils répondirent nous sommes les frères d'Acasia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. Jéhu dit. Saisissez les vivants. Et ils les saisirent vivants, et les égorgèrent au nombre de quarante deux à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Rechab, qui venait au devant de lui. Il le salua, et lui dit. Ton cœur est il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien Et Jonadab répondit Il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char, et dit Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple, et leur dit. Achab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit. Publier une fête en l'honneur de Baal, et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rechab, et il dit aux serviteurs de Baal. Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes, en leur disant. Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers. Entrez, frappez les, que pas un ne sorte. Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal, et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque, qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain, vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de galaad les gadites les rubénites et les manassites depuis aroer sur le torrent de l'arnon jusqu'à galaad et à bazan le reste des actions de jéhu tout ce qu'il a fait et tous ses exploits cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques et des rois d'israël jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à samarie et joachaz son fils régna à sa place Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël, à Samarie. Deux rois, chapitre 11 Athalie, mère d'Akhazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acazia, prit Joas, fils d'acazia et l'enleva du milieu des fils du roi, quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Il fut ainsi dérobé au regard d'Athalie, et ne fut point mis à mort. Il resta six ans caché avec Joséba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. La septième année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des kérétiens et des coureurs, et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres, en disant. Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de sur, et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison, de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Geojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, et ils se rendirent vers le sacrificateur Geojada. Le sacrificateur remit au chef de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi et et frappant des mains, ils dirent Vive le roi! Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda, et voici, le roi se tenait sur l'estrade, selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria Conspiration! Conspiration! Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaines qui était à la tête de l'armée Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. Car le sacrificateur avait dit Qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux c'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, L'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses autels et ses images, et ils tuèrent devant les autels Matan, prêtre de Baal. Le sacrificateur Géojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays. Et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée dans la maison du roi. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi. De rois, chapitre 12. La septième année de Jéhu, Joas devint roi et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur. Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'ils l'emploient à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que, la vingt-troisième année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jehojada et les autres sacrificateurs et leur dit Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jehojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle, et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, qui avaient la garde du seuil, y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierre, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais, avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage, afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation, N'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors Azaël, roi de Syrie, monta et se battit contre Gath, dont il s'empara. Azaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Achazia, ses pères, roi de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya le tout à Azaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Mio, qui est à la descente de Sia. Josacar, fils de Chiméate, et Josabad, fils de Chomer, ses serviteurs, le frappèrent, et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David et Amatia, son fils, régna à sa place. Deux rois Chapitre 13. La vingt troisième année de Joas, fils d'Akhazia, roi de Juda, Joakaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna dix sept ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazael, roi de Syrie, et entre les mains de Ben Hadad, fils de Hazael, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël, et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers. Dix chars et dix mille hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. La trente-septième année de Joas, roi de Juda. Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amaziah, roi de Juda, cela n'est il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères. Et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit Prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches puis Élisée dit au roi d'Israël bande l'arc avec ta main et quand il l'eut bandé de sa main Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit ouvre la fenêtre à l'orient et il l'ouvrit Élisée dit tire et il tira Élisée dit c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel une flèche de délivrance contre les Syriens tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination Élisée dit encore. Prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël. Frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit. Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras trois fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Azaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Azaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Azaël, les villes enlevées par Azaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois, et il recouvra les villes d'Israël. chapitre 14 la seconde année de joas fils de joachaz roi d'israël amazia fils de joas roi de juda régna il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna vingt-neuf ans à jérusalem sa mère s'appelait Joadan de jérusalem il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel non pas toutefois comme david son père il agit entièrement comme avait agi joas son père seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais en fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit dix mille édomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit Cela et l'appela Joctile, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amatsia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire Viens, voyons-nous en face. Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatsia, roi de Juda. L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban Donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les Édomites et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda Mais Amatia ne l'écouta pas. Et Joas, roi d'Israël, monta. Et ils se virent en face. Lui et Amatia, roi de Juda, à Beth Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth Shemesh Amatia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akhazia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amazia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amazia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques et des rois de Juda On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuivit à Lachis, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de son père Amazia. Azaria rebâtit Élat et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. La quinzième année d'Amazia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Régna à Samarie. Il régna quarante et un ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai de Gath et Fer. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave et homme libre, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamath, qui avait appartenu à Juda, cela n'est il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël et Zacharie, son fils, régna à sa place. Deux rois chapitre 15. La vingt septième année de Jéroboam, roi d'Israël, Azariah, fils d'Amatsia, roi de Juda, régna. Il avait seize ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amazia, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Azaria se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Jotham, son fils, régna à sa place. La trente-huitième année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple, et le fit mourir et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu, en disant Tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Shalem, fils de Jabesh, régna la trente-neuvième année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. menahem fils de Gadi, monta de Tirzah et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shalem, fils de Jabesh, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Shalem et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des Chroniques et des Rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tiphzar et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirtsa. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La trente neuvième année d'Azaria, roi de Juda, Menahem fils de Gadi régna sur Israël. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point, tant qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays et Menahem donna à Pul mille talents d'argent pour qu'il aidât à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse, afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à cinquante cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Ménahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques et des rois d'Israël Ménahem se coucha avec ses pères et Pekachia, son fils, régna à sa place. La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda, Pekachia, fils de Ménahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna deux ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Pécar, fils de Remalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils des Galaadites. Il fit ainsi mourir Pekashia et il régna à sa place. Le reste des actions de Pécachia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des Chroniques des rois d'Israël. La cinquante-deuxième année d'Azaria, roi de Juda, Pécard, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna vingt ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pécard, roi d'Israël, Pilézer, roi d'Assyrie, vint et prit Hijon, Abel Beth Maaka, Janoar, Kedesh, Hatsor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Neftali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osé, fils d'Ela, forma une conspiration contre Pekar, fils de Remalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place, la vingtième année de Jotam, fils d'Ozias le reste des actions de pécard et tout ce qu'il a fait cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'israël la seconde année de pécard fils de remalia roi d'israël Jotam, fils d'ozias roi de juda régna il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à jérusalem sa mère s'appelait Jérusha, fille de tsadok il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel il agit entièrement comme avait agi Osias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retsin, roi de Syrie, et Pécar, fils de Remalia. Jotham se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Achaz, son fils, régna à sa place. Deux rois, chapitre 16 La dix-septième année de Pécar, fils de Remalia, Achaz, fils de Jotham, roi de Juda, régna. Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors, Retzin, roi de Syrie, et Pécar, fils de Remalia, roi d'Israël, Montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Achaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retzin, roi de Syrie, fit rentrer Élate au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élate les Juifs, et les Syriens vinrent à Élate où ils ont habité jusqu'à ce jour. Achaz envoya des messagers à Tiglath-Pilézer, roi d'Assyrie, pour lui dire Je suis ton serviteur et ton fils. Monte, et délivre moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Akhaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir, et fit mourir Retzine. Le roi Akhaz se rendit à Damas au devant de Roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akkaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akkaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Akkaz fût de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations, et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'éternel, afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Et le roi Achaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, L'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, versez-y leurs libations et répandez tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné, et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Akaz, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Akaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils régna à sa place. Deux rois, chapitre 17. La douzième année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Elah régna sur Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanazar roi d'Assyrie, monta contre lui. Et Osée lui fut assujetti. Et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à Sceaux, so, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalar, et sur le Chabor, fleuve de Gozane, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises, par lesquels ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit. Vous ne ferez pas cela? L'Éternel fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit. Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur coups. Comme leur père, qui n'avaient pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est il fortement irrité contre Israël, et les a t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Judas même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nebat, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Avva, de Hamath et de Sepharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie. Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité. Qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseignent la manière de servir le dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'éternel. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Benot, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamat firent hashima ceux d'Avva firent Nipshaz et Tartak, ceux de Sépharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieux de Sépharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre « Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a prescrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi. Et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'éternel et servaient leurs images. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Deux rois chapitre 18. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem sa mère s'appelait abie fille de zacharie il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait david son père il fit disparaître les hauts lieux brisa les statues abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que moïse avait fait car les enfants d'israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui on l'appelait néhushtan il mit sa confiance en l'éternel le dieu d'israël et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza. Et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de trois ans, la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Chalar et sur le Chabor, fleuve de Gozane, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du roi Ézéchias, Sancherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis :« J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, trois cents talents d'argent et trente talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias Roi de Juda, enleva, pour les livrer au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de l'Aquis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Tartane, Rab Saris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du foulon. Ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabchaké leur dit. Dites à Ézéchias, Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions, mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant à Judas et à Jérusalem, Vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit. Monte contre ce pays et détruis le. Eliakim, fils de Ilkija, Shebna et Joar, dirent à Rabshakeh. Parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit. Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous Alors Rapshake, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point, Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre. Dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant L'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena et Diva ont ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut, et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaph, L'archiviste vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de xix Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs. Vers Esaïe, le prophète, fils d'Amots. Et ils lui dirent Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyées pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, Exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraye point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que. Sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rapshake, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lakis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés « Gozan, Charan, Redsef et les fils d'Éden qui sont à Télassar ?»« Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaïm, d'Ena et d'Ivva ?» Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, » C'est toi qui es le seul dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre éternel incline ton oreille et écoute éternel ouvre tes yeux et regarde. entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabchake pour insulter aux dieux vivant. Il est vrai, ô éternel que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amots, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as tu insulté et outragé? Contre qui as tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé, et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisses des villes fortes en monçons de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ezahaddon, son fils, régna à sa place. De roi, chapitre 20 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel Ô Éternel, éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton Père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici. Je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Esaïe dit Prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel Et Ésaïe dit Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de dix degrés ou reculera-t-elle de dix degrés Ézéchias répondit C'est peu de chose que l'ombre avance de dix degrés. Mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. Alors Esaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné. » de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. » Et l'on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe La parole de l'Éternel, que tu as prononcée, est bonne. Et il ajouta N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc, et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. Deux rois, chapitre 21 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Eftiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des hôtels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit :« C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. » Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté, qu'il avait faite, dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab. » Et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie, et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uzza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi. Et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Méchulémet, fille de Harutz de Jodba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servies son père, et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon, et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. rois, chapitre 22. Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait judida fille d'Adaja, de Botzkath. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshulam. Il lui dit Monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons. Pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et dit tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel Chafan le secrétaire dit encore au roi le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre et Chafan le lut devant le roi Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi il déchira ses vêtements Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija à Achikam Fils de Chaphan, à Agbor, fils de Miché, à Chaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Agbor, Chafan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalom, fils de Tigva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel: Voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. De roi, chapitre 23. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme afin de mettre en pratique les paroles de cette Alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Geba jusqu'à Ber-Sheba. Er et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophète dans la vallée des fils de Hinnom afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'Eunuque nétant Mélèque, qui demeurait dans le faubourg. Et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémoche, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Amon. Il brisa les statues et abattit les idoles et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit. Quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent. C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. Et il dit. Laissez le, que personne ne remue ses eaux. On conserva ainsi ses eaux avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Joséas fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il les fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la dix-huitième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit. J'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit. Là sera mon nom. Le reste des actions de Josias, et tout ce qu'il a fait, cela n'est il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias. Ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père. Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hamutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Écho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régna plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de cent talents d'argent et d'un talent d'or et pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de josias à la place de josias son père et il changea son nom en celui de joachim il prit joachaz qui alla en égypte et y mourut joachim donna à pharaon l'argent et l'or mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de pharaon il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à pharaon Nécho. Joachim avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. De rois, chapitre 24. De son temps, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant trois ans mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Joachim se coucha avec ses pères et Joachin son fils régna à sa place le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Jojaquine avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan, de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Jojaquine, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier, la huitième année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait faits dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachin à Babylone. Et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de sept mille, et les charpentiers et les serruriers au nombre de mille, tout homme vaillant et propre à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi, à la place de Jojakin, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi. Et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hamutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Deux rois, chapitre 25. La neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécias. Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nébuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant le chef des gardes laissa comme vigneron et comme laboureur quelques uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent l'airain à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses, et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les deux colonnes, la mer et les bases, que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de dix-huit coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de trois coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit Serraja, le souverain sacrificateur Sophonie, le second sacrificateur et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, cinq hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nébuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone, à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi, Judas fut emmené captif loin de son pays. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple, qu'il laissa dans le pays de Judas, sous le commandement de Gedaliah, fils d'Akikam, fils de Shafan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guédalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netanya, Jokanan, fils de Caréar, Seraja, fils de Tanumet, de Netopha, et Jaazania, fils du Maakassien, eux et leurs hommes. Guédalia leur jura, à eux et à leurs hommes, et leur dit ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais au septième mois, Ismaël, fils de Netanya, fils d'Elishama, de la race royale, vint, accompagné de dix hommes, et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en égypte parce qu'ils avaient peur des chaldéens la trente-septième année de la captivité de jochakine roi de juda le vingt-septième jour du douzième mois évil mérodac roi de babylone dans la première année de son règne releva la tête de jochakine roi de juda et le tira de prison il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à babylone il lui fit changer ses vêtements de prison et Jojaquine mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie.